Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour de mentalisme. Vous allez voir qu'il est vraiment super. Donc c'est parti pour la démo. Nous avons une enveloppe avec une prédiction à l'intérieur. Donc on verra ça à la fin. Et un jeu de cartes. Et il a une particularité, c'est que sur ces cartes, vous avez des chiffres entre 1 et 52. D'accord, j'ai noté ça. Sur chaque carte, entre 1 et 52. Ok. Et vous allez demander à votre spectateur de choisir un chiffre. Donc, vous allez lui montrer des cartes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ceci. Hop. Et il va vous dire stop quand il le désire. Donc, vous faites défiler les cartes comme ça. Il vous dit stop ici, sur le 18 par exemple. Vous pouvez, si vous voulez, lui demander de changer. Donc, s'il veut changer, il peut dire stop un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Donc, on va changer. Imaginons, il veut continuer. Hop, ici. 34, ça lui va, ok. Donc on va choisir la carte 34 qu'on va poser ici. Ensuite, on va lui faire choisir une carte. Donc vous allez lui montrer les cartes une à une et il va vous nommer une carte ou poser le doigt sur une carte comme il veut. Imaginons, il veut s'arrêter sur le 4 de pique. Donc il veut le 4 de pique, il peut choisir une autre carte, peu importe. Il veut le 4 de pique, ok. On va mettre le 4 de pique ici. Ok, on va poser le reste du jeu ici. Donc le spectateur a choisi de s'arrêter sur le chiffre 34 et de s'arrêter sur la carte 4 de pique. Okay. Il est temps à présent de regarder notre prédiction. Donc on ouvre l'enveloppe. À l'intérieur j'ai une carte blanche, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Et derrière j'ai ma prédiction, on regarde, ah bah là je suis un peu embêté. Parce que comme vous voyez, j'avais prédit la dame de trèfle, donc là il y a 4 de pique, ça n'a rien à voir, et le chiffre 3, et on tombe sur 34. Il y avait 3, mais bon, il y a un 4, c'est pas bon du tout. Donc je suis désolé, je me suis planté en direct, ça m'était jamais arrivé, je suis vraiment confus. Mais bon, on va essayer d'arranger les choses pour pas que j'ai l'air bête. Comment on va faire? Ah, je sais. Je sais, je pense savoir. Rappelez-vous que derrière le chiffre 34, il y a bien une valeur. Et derrière le 4 de pique, on a un chiffre. Donc ce qu'on va faire, on va retourner ces cartes-là. Et on va voir ce qu'il y a derrière le 4 de pique. Ah, nous avons un 3. Ah, tiens, c'est très bien ça. 3 à 3, parfait. Et derrière le 34, qu'est-ce qu'il y a comme carte? On va regarder. Ah bah ça, c'est parfait. Nous avons une dame de trèfle. Mais finalement, j'ai réussi à me rattraper. Ça a bien fonctionné et on voit bien les coïncidences fonctionnent parfaitement. Donc voilà, c'était ce superbe tour de mentalisme. J'espère que vous avez aimé. Vraiment, c'est un tour de fou. J'adore. La méthode est vraiment très bien. Vous allez voir, il y a pas mal de boulot, mais ça vaut le coup. On va passer aux explications pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez apprécié, vraiment c'est un très bon tour à faire, je vous garantis, je l'ai testé, les réactions sont vraiment superbes. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Alors je vous préviens, il va falloir préparer votre jeu qui est hyper gimmické à fond, ce jeu-là. Il y a plusieurs principes, donc nous avons un jeu radio. Donc nous avons des cartes plus courtes que d'autres et nous avons des cartes qui sont traitées au roofing fluid. D'accord? Donc je vais commencer par où? Donc il va vous falloir 26 cartes basiques différentes, peu importe, vous prenez 26 cartes normales d'un jeu. Et vous allez prendre 26 cartes duplicata. Donc moi j'ai pris la dame de trèfle qui se répète 26 fois. Ok? Et vous prenez 26 cartes différentes avec 26 dames de trèfle. Donc vous prenez les cartes que vous voulez. Donc moi pour la prédiction j'ai pris la dame de trèfle bien évidemment. Et j'ai mis une carte et j'ai mis le chiffre 3. Donc vous pouvez prendre n'importe quel chiffre. Moi j'ai choisi celui-ci. D'accord? Donc j'ai plastifié les deux cartes. Comme ça, ça fait... j'ai mis une feuille blanche. Et je mets ça dans mon enveloppe. Face cachée. Je préfère la sortir face cachée que face visible. Ça c'est mon avis. Et vous fermez l'enveloppe.
Ensuite, pour les chiffres, je vous conseille de le faire au normographe. Vous prenez un normographe. Pourquoi? Parce que c'est plus propre, c'est plus net, c'est plus précis. À la main, j'aime pas parce que moi perso j'ai une écriture pas terrible et ça donne pas. Donc j'aime bien quand c'est bien fait. Vous savez, depuis le temps que je vous propose des tours, j'aime bien faire les choses bien, correctement. Donc j'ai pris un normographe et je vous conseille en marqueur, attention, de prendre un marqueur qui sèche assez vite et qui marque bien. Donc les charpies basiques, les petits, là, ceux dont on sert, ne prenez pas ça, ça marque, ça noircit pas bien. Au bout d'un moment, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Donc vous prenez le charpie qui est un peu plus gros. Celui-ci qui s'appelle le W10, ici, voilà, celui-ci. Il est parfait parce que il marque très bien les cartes et il sèche très vite. Moi j'ai dû bien prendre à deux fois parce que j'avais pris un marqueur qui ne séchait pas et donc ça m'a mis du noir sur toutes les cartes. Partout, j'avais du noir partout. Donc j'ai dû le refaire. Donc j'ai mis une bonne après-midi, une demi-journée à faire tout ça. Donc ensuite, donc je vous ai dit 26 cartes duplicata, 26 cartes différentes. Sur les cartes différentes, vous allez mettre du roughing fluide sur le dos de la carte. Vous mettez du roughing fluide sur l'as, derrière, le 2, le 8, le 3, sont des cartes qui sont différentes. Et vous allez marquer le chiffre 3 à chaque fois sur les cartes différentes, quelconques. Vous marquez 3 et vous mettez du roughing fluide sur tout le dos de la carte. Concernant les dames, vous allez mettre du roughing fluide sur la face de la dame, d'accord? Et vous allez marquer n'importe quel chiffre entre 1 et 52. Vous allez en marquer, vous allez en devoir choisir 26 chiffres entre 1 et 52. Vous mettez ce que vous voulez. Donc on va devoir marquer 26 nombres, on ne va pas pouvoir en marquer 52. Dans le tour original, le magicien le fait avec un jeu double d'équerre Phoenix. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une marque de cartes, un fabricant de cartes. Et double d'équerre, c'est quoi? C'est des cartes qui sont très fines. Et donc le magicien a 104 cartes dans les mains. Mais quand il les tient, on a l'impression qu'il a un jeu complet, mais il y a 104 cartes. D'accord? Donc il y a toutes les cartes. Mais en épaisseur, ça correspond à un vrai jeu. Donc lui, il a pu marquer les chiffres entre 1 et 52, vraiment tous les chiffres, et il dit à la personne, nommez-moi un chiffre entre 1 et 52. Là, on ne va pas pouvoir dire ça au spectateur, puisqu'on n'en a marqué que 26. C'est pour ça que dans cette version que je vous propose, on a créé un jeu radio, ce qui nous permet de montrer toutes les cartes comme ça différentes, tous les chiffres. Et donc, pour le choix du chiffre, on va laisser tomber les cartes et il va tomber sur un chiffre au hasard, 31, s'il veut continuer, 45, 46, 52, peu importe, on tombera sur n'importe quel chiffre. C'est pour ça qu'on va faire un jeu radio. Donc le jeu radio, c'est quoi? C'est une carte plus courte que l'autre sur deux, une sur deux. Et donc vous allez devoir couper la dame de trèfle, chaque carte dame de trèfle, en haut et en bas, de 1 à 2 mm avec un cutter et une règle. On fait ça sur chaque dame de trèfle, ce qui fait que on va pouvoir montrer les nombres, les chiffres, plusieurs, comme ça, sans montrer les trois. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, je répète, 26 cartes différentes, 26 dames de trèfle ou les cartes que vous voulez, mais il en faut 26. Vous allez couper le haut de la carte et le bas de la carte de 1 à 2 mm, pas plus. Ok. Moi, ce que j'ai fait quand vous coupez comme ça fait un angle droit, donc c'est pas très joli. Donc j'ai pris un coupeur d'angle qui arrondit les cartes. Donc j'ai un appareil et j'ai arrondi chaque carte que j'avais coupée. Voilà. Ensuite, vous mettez sur chaque dame de trèfle du roughing fluide sur la face et sur les cartes différentes du roughing fluide sur le dos. Et vous mettez 3 sur chaque carte différente et vous mettez n'importe quel chiffre entre 1 et 52 sur les dames. D'accord? Donc là, vous aurez pas mal de taf. Ça va prendre quelques heures, je pense, à faire ça. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous êtes prêt à commencer votre tour.
Donc vous sortez votre jeu de l'étui et vous dites voilà, j'ai un jeu de cartes. Il est un peu spécial. Pourquoi? Parce que vous dites, j'ai marqué des chiffres entre 1 et 52 sur chaque carte et vous en montrez quelques-unes. Vous n'allez pas au bout. Pourquoi? Parce que comme vous n'avez que 26 cartes ici, on n'a que 26 cartes. D'accord? On peut montrer que 26 cartes. Donc n'allez pas trop au bout parce que les spectateurs peuvent voir quelque chose en disant tiens, il n'a pas montré beaucoup de cartes, on ne sait jamais. Donc vous montrez quelques cartes comme ceci. Donc vous inquiétez pas avec le roughing fluide, vous voyez, ça ne se sépare pas. Vous avez vu dans la démo, sans faire exprès, donc j'ai laissé cette démo, j'en ai pas refait une autre, j'ai laissé tomber une carte sans faire exprès, et elle a adhéré, je l'ai ramassée tranquille. Donc là c'est séparé, mais dans la démo je l'ai ramassée, comme si c'était une seule carte, ça s'est pas vu, je pense pas. Donc vous inquiétez pas, n'en mettez pas trop. De produits, laissez sécher 15-20 minutes et repassez une couche vite fait et vous laissez sécher 15-20 minutes, mettez deux couches, d'accord. Pour le roughing fluide, moi j'utilise cette bombe là, voilà, Créa Vernimat. Donc là il y a 400 ml et ça coûte 8 €, ça coûte vraiment pas cher. Le roughing fluide dans les magasins de magie c'est hors de prix et vous avez 100 ml, 150 ml, pas plus. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'acheter celle-ci. Voilà, vous tapez ça sur Google, vous trouverez où l'acheter. Ça marche super. Donc vous, voilà, vous dites, voilà, j'ai marqué 10 numéros comme ça. Voilà. Vous n'allez pas très loin. Et vous montrez, vous faites un dribble, je crois. Vous laissez les cartes tomber sur la main en disant, vous voyez, on a des chiffres différents. Vous n'êtes pas obligé de montrer les faces comme ça en disant, voilà. On a des faces ici, je vous conseille pas à vous montrer les chiffres comme ça, tout simplement. Et vous dites voilà, vous allez devoir choisir un chiffre et donc vous allez laisser tomber les cartes. Donc vous tenez entre le pouce et le majeur et vous prenez tout le jeu en main et vous laissez tomber les cartes une à une tout doucement. Et le spectateur va vous dire stop quand il le désire. Donc vous laissez tomber les cartes. Avec le roughing fluide et le jeu radio, quand on a coupé les cartes, on verra que des chiffres différents. Ne vous inquiétez pas, on ne verra pas le 2-3. Donc vous commencez doucement, il vous dit stop ici, 25. Vous dites, est-ce que vous voulez garder 25 ou vous voulez prendre un autre chiffre? Vous pouvez, soit il s'arrête ici, soit vous continuez. Il vous dit stop ici, 37. Vous êtes content? Ok, il vous dit oui. Vous coupez, vous mettez le jeu en dessous, et là vous séparez la carte. Donc vous séparez la carte, je vous conseille de le prendre avec le pouce comme ça et de séparer. Attention, quand vous allez poser la carte, il ne faut pas montrer le 3 ici. D'accord? On pourrait, mais le mieux c'est de ne pas le montrer parce qu'on va le retrouver à la fin. Donc vous prenez la carte et au moment où vous la décalez, vous tournez votre jeu vers vous et vous posez. Et vous posez le jeu comme ceci. On voit la face des cartes maintenant. Vous dites voilà, vous avez choisi le 37. Maintenant, vous allez devoir choisir une carte. Donc, ne vous inquiétez pas avec le roughing fluide, vous pouvez montrer les cartes une à une sans souci. Elles vont bien adhérer ensemble, elles ne vont pas se séparer. Pas d'inquiétude. Et vous en montrez quelques-unes comme ça, tout doucement. Et vous dites, vous allez nommer une carte, vous allez poser le doigt sur une carte, peu importe, ne vous inquiétez pas. Donc, vous montrez une à une. Et la personne va vous dire l'as de pique, par exemple. Vous coupez. Pareil, là vous allez devoir séparer la carte avec celle-ci. Et vous ne devez pas montrer la dame de trèfle, puisqu'on va la retrouver après. Donc pareil, vous séparez. Au moment où vous prenez la carte, vous séparez et vous tournez. Ici, vous posez. Et vous laissez le jeu à côté. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit un autre chiffre ici, vous voyez. Un autre chiffre quelconque. Donc vous dites voilà, vous récapitulez. Vous êtes arrêté sur le 37, vous avez choisi librement l'as de pique. Il est temps de voir notre prédiction. Vous prenez l'enveloppe, vous montrez la prédiction, vous dites qu'il n'y a rien dans l'enveloppe, vous montrez l'enveloppe vide, et vous dites, on va regarder. Et donc quand vous montrez votre prédiction, ne mettez pas la dame en face, comme ça, valeur en face de la valeur, et le chiffre en face du chiffre, vous la mettez côté inversé, vous inversez. Vous mettez le 3 en face de l'as et la dame en face du chiffre, d'accord? Et vous dites, voilà ma prédiction, j'avais prédit la dame de trèfle et le 3, et là vous faites comme vous voulez, moi j'aime bien jouer la victime, parce que les gens aiment bien que le magicien se trompe,
Et je dis, ah, je suis désolé, je suis confus, c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'était jamais arrivé, je viens de me tromper, de me planter royalement. Et vous dites, bon, on va essayer quand même de se rattraper, on va voir ce qu'on peut faire, j'ai une petite idée. Et vous dites, rappelez-vous, derrière cette carte-là, nous avons un chiffre, et derrière cette carte-là, nous avons une valeur. On va essayer de faire quelque chose, on va les retourner. Et vous retournez, vous montrez le 3. Et vous retournez derrière le 37, la dame. Et là, c'est incroyable, les prédictions, notre prédiction correspond. Et vous dites, vous êtes arrêté vraiment sur l'as de pique, vous avez choisi le 3, vous êtes tombé, vous avez choisi le 37, et derrière il y avait la dame de trèfle. C'est magique, c'est super. Donc voilà, c'est un super tour de cartes à mon avis. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.